Tu ne t'arrives jamais.
invoqué le sang de Jésus, ils ont dit que le sang de Jésus a coulé pour nous. Est-ce que tu réalises que le sang de Jésus a coulé pour toi? Amen. J'ai encore entendu que il a été humilié à cause de toi. Est-ce que tu le réalises ce soir? Amen. Si tu le réalises, acclame très fort. Chant à l'Esprit Saint.
rien ne se passe. Mais crois qu'il se passe quelque chose de merveilleux dans ta vie. Amen. Je lis souvent le souffle de vie que tu as. C'est une grâce. C'est une grâce. Tu es debout. Moi, je bénis Dieu parce que j'ai quitté au bateau jusqu'ici sans accident. Amen. C'est une grâce pour moi. Et toi aussi, tu as quitté ta maison pour ici. C'est une grâce. Cette année est remplie de grâce, frère et soeur. Accrochons-nous tout simplement à Dieu. Par tous les moyens possibles, la prière, le partage, l'amour, le pardon, la miséricorde. Tout cela, le Seigneur voit ce que tu fais pour lui. Cette année, ce n'est pas une année où tu vas rester pour toi. Amen. Tu vas rester seul dans ton coin. Non, le Seigneur a dit, comme disait mon nom tout à l'heure, le Seigneur nous a envoyé deux frères et sœurs. Alors je vais demander aux personnes qui sont ici d'aller de l'autre côté. Cette année-là, on ne prie pas pour nous-mêmes. Amen. On va prier pour les autres. On fait que le Seigneur regarde leur. Amen. Ils sont fatigués tous les jours. Ils font une prière personnelle. Aujourd'hui, c'est un jour béni de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a dit que c'est un jour de grâce pour nous. Et c'est une grâce éternelle. Donc, frères et sœurs, déplaçons-nous. Choisis une personne de ton choix et prie pour ta sœur. Amen. Le monde dans la présence de Dieu. Allons prier les uns pour les autres. Nathan, je vais prier.
Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Je le sens béni ce soir. C'est pourquoi nous allons maintenant rentrer encore dans cette louange. En aidant le chef, il faut bien-aimé. Nous allons prendre quelques minutes pour rentrer dans une louange très forte, pour montrer au Seigneur véritablement que nous sommes dans la joie et que la grâce de Dieu, les bénédictions de Dieu nous accompagnent. Amen. Bien-aimé, tu vas te mettre maintenant dans une position, Seigneur, d'une femme et d'un homme victorieux, d'une femme et d'un homme qui est dans la joie, qui est rempli des grâces du Seigneur. Tiens-toi maintenant, positionne-toi maintenant. On est fatigué de voir des personnes qui sont flinguées, abattues par la maladie ou quoi que ce soit. On peut voir des personnes. Thank you.
Frères et sœurs,
acclame le Seigneur, parce que le jugement de ta vie est tombé ce soir. Ce doux moment avec notre Seigneur Jésus-Christ, regardons cette belle croix là où notre Seigneur a fait tomber le Jéricho de ta vie, frères et sœurs. Levons et acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ pour ses grâces.
et après nous ferons les annonces. Amen. Merci. De 16h à 17h jusqu'au dimanche 14. Le Jericho aura lieu à Saint-André de 16h à 17h. Nous sommes tous attendus là-bas. La sono, vous avez remarqué, il n'y a pas de sono, non? Il n'y a pas de piano, il n'y a rien. C'est que nous n'avons pas encore terminé de vous dire amen. Pour ceux qui ont apporté leur participation, veuillez voir Maman Agathe après cette assemblée. Nous avons notre sœur Edith de l'accueil qui a perdu son papa depuis le Nigeria hier à 18h. Il a rendu l'âme. Donc portons-la en prière ainsi que la famille est éprouvée. Nous avons également une ancienne du renouveau, notre maman Hortense. Elle a perdu son fils unique depuis le Togo. Donc le corps est déjà ici au Gabon. Nous irons ce vendredi l'assister à 18h. Lieu de rencontre, marché banane, à 18h à la pharmacie Saint-Esprit. Le lieu du lieu, il s'agit de l'université du Ségué, du premier ministre d'Ansima. Donc ce vendredi à 18h, nous irons l'assister. Amen. Apportons également nos contributions comme nous savons le faire pour les messes du défunt. Ce dimanche 14,
Nous irons rendre visite à notre sœur Barbara Bernard, la responsable adjointe des chants. Elle avait perdu son frère, nous sommes jamais allés là-bas. Donc nous irons ce dimanche après la messe de 10h30, apportant également notre modeste enveloppe. Demain, conseil paroissial élargi, réunion avec le curé, tous les responsables du ministère, la bergère et les membres du noyau. Nous sommes attendus à 16h30 ici en paroisse. Amen. Nous avons notre frère fidèle qui veut dire quelque chose. Sa manière et ça permet de rehausser l'image de notre événement. Et nous sommes entièrement reconnaissants. Le merci ne suffira pas. Nous demandons de continuer de l'avant pour que le groupe continue à vivre. Merci beaucoup. Ceux qui se reconnaissent en vacances, nous les saluons. Je ne vais pas citer leur nom, mais on salue toutes les personnes qui étaient en vacances. Amen. Donc on va se lever pour